Moi, c'est Mohamed Cissé, je suis le coordinateur communal de l'ex-découpage de Matoutou, du Front National pour la Défense de la Constitution. Je tiens sur notre coordinateur national, M. Oumar Silla, alias Founke Mangé, et ensuite le responsable de la mobilisation et action du FNDC, M. Mamadou Bilba, et d'autres membres et responsables chez le coordinateur. C'était dans les environs de 22h, nous étions là. On faisait un entretien par rapport à la mobilisation que nous devions tenir le 10 juillet 2024 à Yimba Taneri. Par rapport au musée de la presse et aussi la vie chère, le manque d'électricité, donc ça vraiment ça a dérangé le peuple. On s'était dit il faut aussi le temps. On avait fini ici notre entretien parce qu'il y avait la télé qui jouait. On a continué ici dans la causerie. Quelques minutes après, il y a un de nos membres qui avait alerté M. Mamadou Bilba. Ah, nous voyons ici des véhicules militaires qui se dirigent vers Commandaya. Sur le coup, M. Bilba a informé Founke que vraiment il y a un de nos éléments qui l'a appelé à l'extérieur de la concession que les militaires viennent. Donc ce n'est pas pour nous arrêter. Le coordinateur avait appelé sa belle-sœur de fermer ici la porte, ici la grande porte. Entre-temps, nous avons reçu un corps étranger. C'était un gendarme déguisé en civil qui portait une casquette blanche. Il était ici de teint clair, avec une taille moyenne, pas trop élancée, un peu gros. Il est rentré au salon. Lorsqu'il est rentré au salon, bon, il a vu qu'on était tous réunis là. Il a fait un petit recul. Il a demandé à ses amis, venez, sois là. Lorsqu'il a fait signe à ses amis que notre présence était là, il s'est retourné, il s'est adressé à Founke Mangé et à Bilba. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Bilba avait obtempéré. Et le coordinateur avait demandé, mais où est le mandat d'arrêt? Parce que nous ne pouvons pas venir ici dans la nuit tardive pour présenter des gens, c'est sans mandat. Sur le coup, les trois gendarmes qui étaient rentrés en tenue, lourdement armés, donc le monsieur qui parlait, lui, il était civil. Donc c'est ces trois qui l'ont pris de force. Et on était, il était ici dans un petit fauteuil. Ils l'ont pris de force pour le faire sortir ici de la concession. Sur coup, je me suis mêlé et d'autres personnes et d'autres éléments aussi ont pris la parole. On les a dit, mais écoutez, nous ne sommes pas des criminels, vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un, l'arrêter mutuellement et sans mandat. Comme on le tirait, je suis par les deux pieds, et on le traînait ici par terre. Moi, je suis venu lui prendre ici par les bras. Donc, on lui tirait, et ici les trois gendarmes et moi, et nous, on lui tirait parce que sa belle-sœur était mêlée dedans. Donc on lui tirait. Le monsieur qui était en civil a appelé ici un renfort. Parce que s'ils étaient seulement à eux quatre, ils ne pouvaient pas le faire sortir. Donc il y a certains qui sont des gendarmes qui étaient venus en tenue, qui sont venus maintenant ici en renfort. Le nombre a augmenté à plus de 10. Donc on ne pouvait pas trop tenir. La femme a son jeune frère qui était aussi dehors. Ils habitaient ensemble, celle-là est venue et elle continue à parler et elle aussi, elle disait, mais vous ne pouvez pas venir arrêter comme ça quelqu'un. Il y a un gendarme qui l'avait donné une gifle. Moi, il y a un autre gendarme qui m'a donné un coup violent sur le pied, c'est-à-dire avec son pied, je suis parti tomber derrière. On l'a fait sortir ici de la grande cour. Mais comme je ne voulais pas l'abandonner, Je me suis relevé, vite j'ai couru derrière, j'ai couru envers eux, toujours pour les retirer parce qu'ils traînaient par terre. Donc ils criaient, ils se lamentaient. Arrivé au grand portail, parce qu'ils étaient juste arrivés lorsque je me suis relevé, je les ai trouvés au grand portail, il y avait deux pick-up ici de la gendarmerie qui étaient postés là, et quatre blindés des forces spéciales, parce que j'avais compris que vraiment, le périmètre était bouclé. Donc, il y avait des éléments de force spéciale et de la gendarmerie un peu partout. Donc,
Le quatrième blindé, c'était un blindé en grande antenne qui était posté vers, en partant, c'est la ruelle qui mène à la minière. Comme j'ai vu que ici, c'est-à-dire, je tenais beaucoup à le retirer, ils m'ont mis, c'est dans ce cas que j'ai été mis dans le loup. Nous trois, ils nous ont tous fait monter ici dans le pick-up. Mais moi, j'étais avec Bilou, ici dans un pick-up de la gendarmerie. Et Founiké, on l'avait mis ici dans un autre pick-up. On m'a mis sous le banc en fer. Ils ne m'ont pas tardé, ils nous ont envoyé à la gendarmerie de Hamdallah. Lorsqu'on quittait Commandaya, lorsqu'on est arrêté chez le coordinateur, on venait à Commandaya, à Hamdallah rond-point, il y avait trois autres blindés qui étaient postés là et des militaires qui étaient au rond-point. Ils ont utilisé les gendarmes pour nous faire sortir du domicile, mais l'opération était dirigée par les forces spéciales. Arrivé à la gendarmerie, l'escadron de la gendarmerie de Hamdallah, ils nous ont fait rentrer ici dans la grande cour. Le commandant de la gendarmerie, il avait un gros ventre comme ça, grand. Il avait ordonné à ses hommes de mettre les cylindres dans les violons. Mais sur ce coup, le chef des opérations de l'équipe des forces spéciales qui était venu sur le terrain ce jour-là avait dit non. Il avait répliqué, dit non, les colis-là nous appartiennent. Il dit, les colis-là nous appartiennent. C'est sur ces instructions qu'ils nous ont fait sortir ici de la gendarmerie. Ils n'ont pas fait même 2 minutes ici dans la cour ici de la gendarmerie. Ils nous ont fait sortir. Ils nous ont mis maintenant ici dans les blindés. Le commandant, je ne retiens pas son nom, mais il était un homme grand de taille. Bon, il était ici presque les membres qui n'étaient pas cagoulés. Parce que ici, le reste des éléments, ils étaient tous en cagoulés. Il était grand de taille. Il n'est pas barbu. C'est sur ces ordres qu'ils nous ont fait monter dans les blindés. Moi et Bill, on était ici dans un même blindé. Founiké était dans un autre blindé. On était assis entre 2 militaires. L'un était à ma gauche et le second était à droite de Bilou. Donc, sur le coup, dans le blindé, les militaires qui étaient assis à nos côtés disaient, vous, depuis le 5 septembre, vous étiez en prison. Nous sommes venus, nous vous avons libérés. Vous continuez encore à pagailler. Vous voulez inciter le peuple contre le régime. Il a dit, mais vous allez regretter tout ça. Attendez seulement, arrivez là-bas, nous allons arracher toutes vos dents. Le commandant demandait de se présenter. Bon, Bilo ne s'est pas présenté. Moi, je me suis présenté. Sur le coup, on nous soufflait. Il nous donnait ici des coups de coude. Donc on nous donne des coups de coude, on partait ici, on cognait sur nos têtes contre les barres de fer de derrière. Donc on avait assez de mal, on nous giflait, on nous tapait un peu partout, et en plein visage. Ils ont demandé qui vous finance. Personne n'a répondu. Comme nous sommes restés muets, ils ont continué à nous frapper. Après, ils ont dit de courber nos têtes pour ne pas savoir ici notre destination. Sur le cas, Bill avait essayé de me sauver. Il dit, laissez ce jeune, il ne fait pas partie. Le militaire qui était à gauche de moi, il me disait, ta gueule, nous avons des informations sur vous tous. Nous connaissons tous vos membres et tous vos collaborateurs. Il a même tapé encore ici en plein visage. Nous sommes restés comme ça, on a bougé. Parce que nous, on avait la tête courbée. On ne savait pas où on allait. Mais lorsque nous sommes arrivés à destination, nous avons su que c'était le palais Momer 5 à la présidence.